Donc, avant de passer à la partie exercice concernant la propagation d'une onde lumineuse, un petit rappel de cours que nous avons déjà traité, soit la partie à laquelle on s'est arrêté. Nous avons uniquement fait la première partie qui concerne la lumière est un phénomène ondulatoire, c'est-à-dire à partir d'une expérience de diffraction à travers soit une fente, soit à travers un trou. À partir de ces deux expériences, on a vu que le phénomène observé, c'est un phénomène semblable à celui que nous avons déjà vu pour les ondes mécaniques. C'est le phénomène de diffraction où on observe sur l'écran des franges claires séparées par des franges sombres. Si le diaphragme est percé d'un trou d'une dimension très très petite, dans ce cas-là, on observe des taches circulaires, une tache centrale circulaire séparée, puis dans l'obscurité, puis des anneaux éclairés. Si on utilise une fente ou un fil de très mince, c'est-à-dire de dimension très petite, on observe un phénomène de diffraction qui n'est pas des taches circulaires, mais des taches dans une direction, selon une axe. Dans une direction perpendiculaire à celle de la fente ou de cet obstacle qui est sous forme d'un fil très étroit. Donc, par analogie avec ces ondes mécaniques progressive sinusoïdale, on obtient un phénomène comparable, comme je viens de dire, à celui dans la lumière. On dit que la lumière, elle a un aspect ondulatoire. En conclusion, que la lumière, d'abord, n'a pas besoin d'un milieu matériel pour se propager. La lumière ne se propage pas dans les milieux opaques. La lumière est une onde électromagnétique qui correspond à une propagation simultanée d'un champ électrique E et d'un champ magnétique B. Ce sont deux vecteurs qui sont perpendiculaires entre eux, et dans certaines ondes qui sont sinusoïdales, les deux champs, soit E, soit B, varient selon une fonction sinusoïdale, c'est-à-dire ce E est égal à E0. Sinus de 2π sur t fois petit t, donc c'est-à-dire c'est une fonction sinusoïdale. Les deux vecteurs E et B sont perpendiculaires entre eux et perpendiculaires à la direction de la propagation. Et c'est pour cela qu'on dit que les ondes électromagnétiques ou la lumière, ce sont des ondes sphériques transversales, puisque E et B sont perpendiculaires à la direction. La propagation de l'onde dans un milieu donné, transparent et homogène, diffère d'un milieu à un autre, c'est-à-dire la lumière a une vitesse qui correspond à chaque milieu. Et pour cela, nous disons que la première des choses, qu'une lumière, il peut être monochromatique et il peut être polychromatique. Monochromatique, c'est une lumière qui est caractérisée par une fréquence bien définie, nue, et dans un milieu donné, elle a une longueur d'onde lambda et elle se propage avec une vitesse v. Cette longueur d'onde et cette vitesse de propagation diffèrent d'un milieu à un autre. Et une lumière polychromatique, c'est une lumière qui est constituée au moins de deux lumières monochromatiques. Et l'exemple le plus connu, c'est la lumière blanche. La lumière blanche est la composition de plusieurs couleurs, c'est-à-dire dans un intervalle donné entre le violet et le rouge. Ces lumières-là constituent ce qu'on appelle une lumière blanche. Chaque lumière constituant de la lumière blanche, elle a une fréquence bien définie. Et se propage avec une vitesse propre à cette lumière selon les milieux.
Donc, pour différencier une lumière monochromatique d'une lumière polychromatique, il suffit de les passer dans un milieu tel que le prisme. Un prisme, c'est un milieu qui est transparent. Il a des caractéristiques, par exemple, c'est un milieu qui est dispersif pour la lumière. Et pour différencier une lumière blanche, une lumière polychromatique à une lumière monochromatique, il suffit de faire passer cette lumière à travers ce prisme. Si nous constatons que cette lumière ne subit que la déviation, une déviation, on dit que cette lumière est monochromatique. Et si nous observons à la sortie de ce prisme plusieurs lumières colorées, on dit que cette lumière est polychromatique. D'accord ? Et c'est le cas de la lumière blanche. Une fois qu'elle traverse un prisme, on constate qu'il y a, à la sortie du prisme, il y a les sept couleurs qui caractérisent la lumière blanche, du rouge vers le violet. Donc, cette caractéristique de dispersion de la lumière nous permet de définir une grandeur physique qui est l'indice de réfraction. Ça veut dire que chaque lumière monochromatique qui traverse, par exemple, le prisme, elle a un indice propre. Ainsi, on parlera d'un indice de réfraction de la lumière jaune, de la lumière bleue ou de la lumière violette. C'est quoi cet indice? Tout simplement, c'est une grandeur qui permet de faire différencier les lumières dans un milieu donné. Donc, d'une façon plus simple, l'indice de réfraction, qui est une grandeur sans unité, c'est N qui est égal à C sur V. C'est la vitesse de propagation de la lumière dans le vide, et V, c'est la vitesse de propagation de la même lumière, mais dans un milieu transparent autre que le vide. Et vous voyez que la plus grande vitesse de la lumière, c'est dans le vide, et dans un milieu autre que le vide, il ne peut pas atteindre la C, et par la suite, l'indice de réfraction a une valeur qui est supérieure à 1. Supérieur ou égal à 1. D'accord ? Donc, cet indice de réfraction, N, il nous permet de caractériser ces lumières monochromatiques. On peut exprimer, selon les exercices, on va voir par la suite, qu'on peut exprimer l'indice de réfraction au lieu par les vitesses, on peut les exprimer par les longueurs d'onde. Ainsi, on parlera que lambda 0, c'est une longueur d'onde qui aura sa lumière dans le vide, et il aura lambda lorsqu'il est dans un milieu transparent et homogène. Et par la suite, nous pouvons écrire que lambda 0 est égal à C fois T, et lambda dans un milieu donné, c'est V fois T. En remplaçant les deux grandeurs, là on multiplie par T, et là on multiplie par T, et on aura que N est égal, quoi, c'est N0, c'est lambda 0 sur lambda. Donc je peux exprimer l'indice de réfraction d'un milieu pour une radiation bien définie. C'est la longueur d'onde dans le vide sur la longueur d'onde dans ce milieu-là. Et puisque vous voyez, puisque N est supérieur est égal à 1, ça veut dire que lambda 0 est supérieur ou égal à lambda. Ça veut dire que chaque lumière monochromatique, il a une longueur d'onde dans le vide plus grande que dans un milieu autre que le vide. Par exemple, si nous comparons la longueur d'onde d'une lumière rouge dans le vide et dans le prisme, ou dans le verre, on aura que la longueur d'onde dans le verre est inférieure à celle dans le vide. On parlera dans un exercice par la suite.
Donc, une onde lumineuse ou une radiation lumineuse, ce sont les deux termes qu'on peut trouver dans un exercice, est une onde progressive sinusoïdale caractérisée par sa longueur d'onde dans le vide lambda 0 et sa fréquence nu. N'oubliez pas que la fréquence est une caractéristique de la source. Il ne peut varier d'un milieu à un autre. Donc, pour cela, la fréquence est une valeur qui est indépendante du milieu dans lequel elle se propage. Par contre, sa longueur d'onde change d'un milieu à un autre. Donc, là, pour l'étude, cette propriété de la lumière qui est la diffraction, c'est-à-dire que la lumière peut subir une diffraction, on peut utiliser ce phénomène-là afin d'arriver à plusieurs applications. Par exemple, nous pouvons déterminer la longueur d'onde d'une lumière monochromatique que nous ne connaissons pas. Ou autre chose, on peut déterminer les dimensions d'un fil qui est très très petit. Par la même manière, il n'y a pas un moyen par exemple, utiliser un outil qui nous permet de déterminer le diamètre d'un cheveu. Donc, il n'y a pas un outil. Donc, cette technique nous permet d'arriver à déterminer certaines grandeurs à partir du phénomène lui-même. Et cela, ce qu'on va voir dans les exercices par la suite. Donc, la première des choses, c'est l'écart angulaire. Parmi les questions qu'on demande, c'est définir l'écart angulaire. Lorsque le phénomène de diffraction se produit, donc il y a un dispositif expérimental que nous devons bien connaître et le dessiner. Donc il faut connaître s'il s'agit d'une fente ou d'un trou. On commence par le cas d'une fente de dimension A. Et là, nous avons un écran. La première des choses, il y a une distance d qui sépare l'écran au diaphragme. Et de là, une fois que le phénomène se produit, nous avons dit qu'on observe une tache centrale. Évidemment, il y a d'autres tâches. On s'intéressera uniquement à la tâche centrale. C'est là où l'intensité de la lumière est maximale. Puis il commence à diminuer le long. Donc si je fais ce schéma-là, ça veut dire que la fente elle est, la première des choses, que la fente elle est dans une direction qui est perpendiculaire au tableau. D'accord ? Toujours, il y a un phénomène de diffraction dans une direction perpendiculaire à la fente, c'est-à-dire si je fais un schéma en perspective, j'aurai la fente verticale. Ça veut dire comme ça. Donc la fente verticale et le phénomène s'observera dans une direction comme ça. D'accord. Donc, nous avons l'habitude de donner à cette distance du milieu, de ce milieu-là, c'est L. Et l'angle sous lequel on voit cette tâche-là, à partir de centre, on l'appelle l'écart angulaire. Donc là, c'est θ. Et de l'autre côté, c'est θ. Donc l'écart angulaire, θ, s'exprime dans le système international en radians. D'accord ? Et c'est l'angle, on demande d'écrire la définition. On appelle écart angulaire θ, qui s'exprime en radians, l'angle entre la droite passant par le milieu de la tâche, celle-là. Voilà.
milieu de la tâche centrale et du milieu de la zone de première distinction. Là, il y a une distinction de la lumière, c'est-à-dire de la, si vous voulez, la tâche sombre. On montre que θ, cet angle, cet écart, est égal à lambda sur A, si A est la dimension de l'ouverture que nous avons dans le diaphragme. D'accord ? Ça, on le démontre hors programme. On montre que θ, cet angle, c'est lambda sur A, dans le cas où θ est très petit. L'angle est très petit. On admet que θ est égal à lambda sur A. À partir de là, ce qui reste, c'est nous que nous devons travailler, c'est relier ce θ qui est déjà lié à A et lambda et le relier à la tâche que nous observons. Donc, une fois que nous choisissons une ouverture de diamètre A et nous choisissons une distance d entre l'écran et le diaphragme, nous pouvons établir une relation entre la longueur d'onde utilisée, l'ouverture A et l'angle θ qui est donné dans ce schéma-là. Si nous prenons tangent alpha, tangent θ, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé, c'est L sur 2. Le côté adjacent, c'est D. Et puisque tangent θ est très petite dans notre étude, ça sera égal à sinus θ, ça sera égal à θ. Et par la suite, on aura θ est égal à L sur 2D. Et à partir de cette relation 1 et la relation 2, nous pouvons donner la relation suivante, que L sur 2D est égal à lambda sur A. Et à partir de là, ça dépend de la question demandée, c'est établir la longueur d'onde en fonction telle ou établir A en fonction ou L en fonction. Donc, c'est la relation générale. Généralement, ça dépend de l'objectif de la question demandée. Si on est censé à déterminer la longueur d'onde d'une lumière que nous ne connaissons pas, et nous avons utilisé le phénomène de diffraction afin d'arriver à la valeur de cette longueur d'onde, on aura dans ce cas-là que lambda est égal à A fois L sur 2D. Connaissons, là c'est la D, il est défini par le choix de dispositif expérimental, L, il est lu sur l'écran, et petit a, nous l'avons choisi à l'avance. Parfois, on aura une question. Au lieu d'utiliser un diaphragme, on utilise un cheveu de dimension D. Et dans ce cas-là, on ne va pas utiliser A, on va utiliser D. C'est θ égal à lambda sur D. Et par la suite, on aura dans cette expression D, et nous utilisons que D est égal à lambda fois 2D sur L. Et par application numérique, on peut arriver à la valeur de dimension de ce cheveu-là. D'accord ? On va voir dans les exercices par la suite. Donc, n'oubliez pas que à partir de cette expression, on demande d'utiliser l'équation dimension et de vérifier si une relation est vraiment respecte les unités ou les dimensions utilisées dans cette équation. On va voir dans l'exercice qui suit. Donc, ce qui reste là, la dernière partie, c'est, l'application de cette lumière monochromatique qui traverse un milieu dispersif ou un milieu transparent homogène. Et là, on va revenir aux lois de Descartes, première loi, deuxième loi, et les appliquer dans un cas bien donné qui est le prisme, à savoir il y a une différence entre ce qu'on doit étudier
en cours ce qui est donné par les instructions officielles. Donc les instructions officielles, nous, c'est pas nous oblige, mais nous dit qu'il faut traiter le cas de la dispersion de la lumière dans un prisme et de connaître les relations de prisme, les quatre relations de prisme. Mais dans les cadres référentiels du baccalauréat, on n'a pas mentionné des exercices où le paragraphe qui traite le prisme. Donc, il vaut mieux différencier entre les deux. Comme cours, je dois traiter le prisme. Dans mes exercices, je dois traiter le cas d'un prisme. Mais j'ai le choix, comme professeur, dans mes contrôles continus, soit d'utiliser ce paragraphe-là dans un exercice de contrôle continu ou pas. Mais sachez bien que le prisme, selon les cadres référentiels, ne peut pas être un sujet du baccalauréat. Ça, il faut bien différencier. Parce que si on ne fait que ce qui est demandé dans les cadres référentiels, plusieurs parties du programme ne seront pas étudiées et par la suite, l'élève, dans la suite, il saura, dans les études supérieures, il n'aura pas l'occasion de voir certaines notions qu'il aura besoin dans ces cours-là. Et par la suite, traiter que les parties qui concernent le cadre référentiel, à mon avis, c'est un petit problème qui ne laisse pas l'élève connaître son programme et l'aider à comprendre ce qui vient par la suite. D'accord ? Donc, pour cela, je vais essayer de faire un petit rappel sur les lois de Descartes et les appliquer au cas de prisme. La partie que nous avons traitée, on peut la noter, c'est l'optique géométrique. Donc l'optique géométrique est que la lumière se propage selon des lignes droites. Il y a la notion de rayon lumineux qui est une notion, on peut utiliser un faisceau très étroit, mais la notion de rayon lumineux nous permet d'appliquer ces lois de Descartes d'une façon très approchée. C'est une notion qui est purement géométrique, n'a rien à voir de physique. Et par la suite, c'est un moyen qui nous permet de s'approcher à ces lois. Donc, j'ai dit, il y a la propagation rectiligne de la lumière. Et il y a aussi le principe de retour inverse de la lumière. Ces deux principes sont primordiaux dans notre étude. Ça veut dire, si nous connaissons le chemin de A à B, alors nous pouvons reconstituer le chemin de B vers A en suivant les mêmes étapes. Donc ces lois, les lois de Descartes. Il y a, première loi, c'est, il y a pour la réflexion. Pour la réflexion, d'abord on définit ce qu'on appelle un dioptre. C'est le plan là qui peut séparer deux milieux. Dans le cas de la réflexion, nous avons la normale N'N. Il y a le rayon incident RI. Donc là, il y a une source qui émet un faisceau très étroit qu'on peut accepter dire un rayon. Donc là, il y a I, c'est l'angle d'incidence. C'est l'angle que fait le rayon incident avec la normale. Et la normale, c'est toujours, c'est la perpendiculaire au plan, au dioptre. C'est la droite qui passe par I et perpendiculaire au dioptre. Donc, si ce plan est un miroir,
Donc la lumière, elle va se réfléchir, il nous donne R, avec un angle I prime qu'on appelle l'angle de réflexion. Et cette loi-là, c'est I est égal à I prime. I est égal à I prime. Sans oublier que dans le même, que le rayon incident et le rayon réfléchi appartiennent au même plan. C'est le plan d'incidence. Donc si, là ce qu'on appelle le plan d'incidence, c'est le plan qui contient le rayon incident. Là, c'est le miroir. Et là, c'est le plan d'incidence. Donc, les deux rayons et la normale appartiennent au même plan qu'on appelle le plan d'incidence. L'angle incident est égal à l'angle de réflexion. Ça, c'est la première loi. Deuxième loi, ça concerne... Là, ce sont les surfaces polies et ce qu'on appelle d'une façon générale les miroirs. Pour la réflexion, pour la réfraction, la réfraction, c'est le phénomène qui accompagne, c'est tout simplement... C'est le changement brusque de direction de la lumière en passant d'un milieu transparent, homogène, à un autre milieu. Ça veut dire dans le schéma que nous avons devant nous, au lieu si là, ce qu'on appelle un dioptre, si ce dioptre-là n'est pas un miroir, donc au lieu de continuer de cette façon-là, elle va subir une réfraction. Et va nous donner un rayon réfracté. Et il va nous donner, si on va essayer d'utiliser I1 là, on aura I2. D'abord, avant de connaître la relation d'une façon générale entre l'angle I1 et I2, nous allons parler de ce qu'on appelle la réfringence d'un milieu. La façon dont cette déviation-là dépend de la réfringence du milieu. Et la réfringence du milieu est liée à une grandeur que nous avons déjà définie tout à l'heure, c'est l'indice de réfraction. L'indice de réfraction nous permet de comparer deux milieux transparents et comment chacun de ces deux milieux il va donner cette déviation de la lumière. La première des choses, nous disons que si nous avons deux milieux d'indice N1 et un autre milieu d'indice N2, si N1 est supérieur à N2, on dit que le milieu 1 est plus réfringent que le milieu 2. Là, le milieu 1, uniquement en terminologie, et là, milieu 2. Donc, un milieu, plus l'indice est grand, plus la réfringence est grande. Comment apparaîtra cette réfringence dans le schéma que je viens de tracer tout à l'heure? Donc là, je vais mettre un dioptre. Là, c'est le milieu N1. Et là, c'est le milieu N2. Donc là, c'est la normale, N'. Donc, si nous supposons que N1 est supérieur à N2, ça veut dire que le milieu 1 est plus réfringent que le milieu N2. D'une autre manière, que le milieu N2 est moins réfringent que le milieu 1. Et nous devons utiliser cette phrase. En passant
je vais donner deux versions. En passant d'un milieu réfringent à un milieu plus réfringent, le rayon, il va s'approcher de la normale. C'est-à-dire, là, N1, notre exemple, c'est pas cette phrase, c'est la deuxième phrase. En passant d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent, le rayon réfracté s'éloigne de la normale. Donc si, dans le cas, dans les conditions que vous avez devant vous, là c'est I1, là c'est SI, donc on passe d'un milieu d'indice plus grand à un milieu d'indice plus petit, d'abord je vais mettre comme s'il n'y a pas de milieu, donc normalement il doit continuer selon sa direction, mais je passe à un milieu qui est moins réfringent, donc il va s'éloigner de la normale, c'est-à-dire à partir de ce trait-là, je vais faire là, voilà le rayon réfracté. Et là, c'est ici, nous avons choisi deux milieux. Au lieu d'avoir ce cas-là où le milieu 1 est plus réfringent que le milieu 2, nous avons choisi dans cet exemple, le milieu 1 est moins réfringent que le milieu 2. Et j'ai dit la phrase en passant d'un milieu réfringent à un milieu plus réfringent, le rayon réfracté s'approche de la normale. Je fais cette prolongation de la droite SI et il doit être plus proche. S'il est plus loin, il va être de l'autre côté de ce trait en pointillé. Là, on parlera d'un phénomène dans les deux cas. Ce qu'on appelle la réfraction limite et la réflexion totale. Vous voyez dans cet exemple, là, si on passe d'un milieu moins réfringent, d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent, on voit que le rayon réfracté s'éloigne plus rapidement de la normale que dans le milieu incident, relativement au milieu de réfraction là. Lorsque ce rayon là atteint une valeur donnée. On va l'appeler L. Ce rayon-là, il va émerger et tangent avec le dioptre et on aura là 90. Donc le phénomène de réfraction commence d'un angle de là, légèrement supérieur à 0, et jusqu'à 90. Une fois que ce rayon réfracté atteint une valeur limite 90, on dira qu'on est dans la limite de réfraction. Ça veut dire, une fois qu'on arrive là, c'est fini la réfraction. Donc, on appelle L l'angle de réfraction limite. Et l'angle de réfraction limite, il dépend de N1 et N2. Donc, ce qui nous ramène à écrire la deuxième loi de la réfraction. Selon cette deuxième loi, N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Et à partir de là, nous pouvons déterminer la valeur de cet angle limite L. Il suffit de remplacer là, c'est L, c'est N1, sinus de L est égal à N2 fois 1, puisque sinus de I2 est égal à 90. Et de là, on tire que sinus de L, là, est égal à N2 sur N1. N2 sinus de L est égal à N2 sur N1. N'oubliez pas que cette valeur elle est inférieure à 1. Nous avons passé d'un milieu plus réfringent, c'est-à-dire N1 est supérieur à N2. N1 est supérieur à N2 ou N2 il est inférieur et par la suite le rapport est inférieur à 1. Donc de là on peut déterminer la valeur de cet angle de réfraction limite.
Pour en finir de cette réfraction limite, la question qui se pose, si on dépasse cet angle limite L, si une incidence avec un angle qui est supérieur à L, eh bien on passera de la réfraction limite à la réflexion totale. Donc ces deux phénomènes, nous devons les comprendre. Ça veut dire, lorsque l'angle d'incidence est supérieur à l'angle de réfraction limite, on passe du phénomène de réfraction limite à la réflexion totale. Pour en finir une phrase, lorsque un rayon lumineux passe d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent, on peut observer un phénomène de la réfraction limite, c'est-à-dire à partir d'un angle d'incidence L, le rayon réfracté a un angle de réfraction qui est égal à 90. C'est-à-dire que le rayon réfracté émerge dans le dioptre. Mais si on dépasse cet angle L, on passe de la réfraction limite à la réflexion totale. Ça veut dire tout simplement que ce dioptre-là, même s'il n'est pas un miroir, il joue le rôle d'un miroir. Et c'est pour cela, dans une Donc on va appliquer ces lois au prisme. Donc le prisme, c'est un milieu qui est transparent, formé par deux plans qui se rencontrent. Voici le plan P1 et l'autre c'est P2. Là c'est l'angle A, caractéristique du prisme, et là c'est la base. Donc ça, on peut le considérer, c'est la face 1, le milieu, la face sur laquelle s'effectue l'incidence. Et celui-là, de l'autre côté, c'est le plan d'émergence où émerge le rayon après avoir passé dans le prisme. Généralement, on fait un schéma qui est très simple. Là, et à l'angle A. Et là, c'est le plan P1, et là, c'est la base, et là, c'est l'arête du prisme. Donc, nous devons faire le trajet d'un faisceau lumineux monochromatique. Donc là, c'est SI1. Là, on doit tracer la normale. N1' et N1. On nomme là l'angle d'incidence I1. Donc au lieu de continuer, il y a la première réfraction et ça va nous donner N. Là c'est, je vais noter I et là je vais noter R. Vous constatez avec moi que j'ai tracé le rayon réfracté plus proche de la normale parce que on considère ici L0 égale à 1, c'est l'air, et là c'est N et il est supérieur à 1. Donc on passe d'un milieu qui est moins réfringent à un milieu plus réfringent. Là, le rayon réfracté s'approche de la normale. Donc de ce côté-là, il y a, là c'est le dioptre 1 entre R glace ou vert, ça dépend de la nature du prisme qu'on utilise. Là entre vert ou plexiglas R, donc je vais tracer là la normale N2, N'2, et là ça sera l'angle d'incidence I2. Et nous voyons que là, la normale et le rayon incident sur le deuxième plan, c'est, on va le noter R'. Au lieu de continuer comme ça, on applique la même notion de tout à l'heure pour connaître où on doit tracer le rayon émergent du prisme. On passe d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent. Donc, le rayon réfracté, il va s'éloigner de la normale relativement à cette direction-là.
Donc, de là, je vais tracer R, R prime, le rayon réfracté. Et là, ça sera I prime. Toujours, n'oubliez pas de mentionner l'angle à partir de la normale jusqu'au rayon. De la normale au rayon incident au réfracté. De la normale là et là aussi. Donc, la première des choses, c'est de tracer, de connaître le chemin, si vous voulez, entre guillemets, d'un rayon incident SI et comment elle va émerger du prisme. Et il y a quatre relations du prisme. C'est la première réfraction sur le premier plan. Et pour simplifier, on prendra IC1. C'est sinus I est égal à N sinus de R. La réfraction sinus N sinus R prime est égal à A, c'est-à-dire sinus de I prime. Ça, c'est la relation 1. Ça, c'est la relation 2. Il nous reste la relation qui relie l'angle, caractéristique du prisme A et les R et R'. Tout simplement, sachez bien que la somme des angles d'un triangle est 180 degrés. On peut dire que A plus cet angle-là, c'est 90 moins R. Là, c'est un angle droit, égal à 90 moins R. Cet angle-là, de la même façon, c'est 90, cet angle-là, c'est 90 moins R prime. J'ajoute 90 moins R prime, qui est égal à 180. En simplifiant, 180, 180, on arrivera à A est égal à R plus R prime. Donc là, A est égal à R plus R prime. Et la dernière relation, c'est relative à la déviation D. Là, vous voyez qu'il y a la première déviation, c'est D1. Et là, c'est la deuxième déviation, D2. Nous voyons que D, il y a D1 plus D2. Donc, de là, je peux constater que cette déviation-là, si nous, cet angle, si vous voyez cet angle-là, là, I, de l'autre côté, c'est quoi? C'est là, I. Donc, deux angles opposés, ces deux angles sont deux angles opposés. Ça veut dire que I est égal à D1 plus R. C'est I est égal à D1 plus R. Donc, ces deux côtés, deux angles opposés par le sommet sont égaux. Et de la même façon ici, ce I-là, il est R plus là. Vous voyez ce D. Je trace ce D-là. Ça donne, je vais mettre là, là c'est I, d'accord? I est égal à cet angle-là, qui est D2. Et cet angle-là, c'est quoi? C'est l'angle opposé à celui-là. Donc c'est D2 plus R prime. D2, de ces deux, je peux tirer que D1 est égal à I moins R, et de là, D2 est égal à I moins R prime, et arriver à la relation I plus I prime moins R, entre parenthèses, R plus R prime, c'est moins A. Voici les quatre relations du prisme. On ne demande pas de les montrer, il suffit de les connaître, travaillez-les et vous aurez vous mémorisez ces quatre relations. D'accord? Il reste une petite remarque avant de passer aux exercices, qui dans cet exercice, l'utilité de l'utilisation de prisme là, on l'utilise généralement dans le minimum de déviation.
Qu'est-ce que ça veut dire le minimum de déviation? On dit que le prisme, on travaille dans un minimum de déviation lorsque l'angle d'incidence I est égal à l'angle d'émergence. I est égal à I'. Et de là, on peut aboutir à une relation qui nous permet de déterminer l'indice de réfraction de ce prisme. Et c'est une technique en lisant I qui est I'. Et connaissant l'angle A, on peut déterminer l'indice de réfraction de ce prisme. Il suffit, CI est égal à E', ça veut dire que sinus I est égal à sinus E', ça veut dire que N sinus R' est égal à N sinus R. En simplifiant par N, ça veut dire, ça donne que R est égal à R'. Et si R est égal à R', ça veut dire que A est égal à quoi? Est égal à 2R. On remplace là 2R. Et je reviens à la relation sinus de I. Sinus de I M, utilisé en minimum de déviation, est égal à N fois sinus de quoi? R, c'est A sur 2. Et ce I, sinus de I, là, on peut utiliser là dm, et plus I, c'est 2I, moins A, et de là, on tire que ce IM, c'est quoi? IM est égal à D plus A sur 2. Et de là, on remplace dans une relation qui est connue, qu'on demande de l'établir, que sinus de IM si DM, là c'est DM, plus A sur 2 est égal à N sinus de A sur 2, et de là je tire la relation qui me donne l'indice de réfraction N est égal à sinus de dm plus a sur 2, le tout sur sinus de a sur 2. Et là, généralement, on utilise une radiation monochromatique ou lumière monochromatique. Par exemple, nous pouvons déterminer l'indice de réfraction de la lumière jaune dans le prisme. Et là, en lisant dm, et nous pouvons déterminer cet indice de réfraction. Donc c'est une méthode qui nous permet de déterminer l'indice de réfraction d'une lumière monochromatique donnée. Par exemple, nous pouvons déterminer n de rouge, n de jaune, de bleu, et ainsi de suite. Voilà ce qui concerne la leçon. Donc maintenant, on peut dire que la partie courte est finie. On passe aux exercices maintenant.